Question 18. Combien de canettes de 500 ml de sirop d'érable peut-on verser pour remplir ce contenant? Me rappelle, 1 ml est égal à 1 centimètre cube. 4 choix de réponse. Le volume, nous devons calculer le volume lorsqu'on parle de remplir un contenant. Le volume de la canette est donné, 500 ml. Je dois calculer le volume du contenant. Le volume d'un prisme à base rectangulaire, c'est base fois hauteur fois largeur. Donc, 20 fois la hauteur qui est 30, fois la largeur qui est 10. 20 fois 30 fois 10 me donne 6000 centimètres cubes. Dans le rappel, on a indiqué que 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Donc, 6000 centimètres cubes est égal à 6000 millilitres. Le nombre de canettes de 500 millilitres de sirop qu'on peut verser pour remplir ce contenant sera le volume du contenant divisé par le volume de la canette ou le volume du contenant divisé par le volume de la canette. Si j'ai 6000 millilitres divisé par 500 millilitres, ça me donne 12. Combien de canettes de 500 millilitres peut-on verser pour remplir? La réponse est C, 12 canettes. Merci.